Bonsoir, on se retrouve pour Little Good Little Shows, pour le cauchemar, c'est mon cauchemar. C'est un jeu que normalement je fais le dimanche, mais comme là j'ai pas envie de le faire ce dimanche, et ben il faut que je le fasse au moins une fois le week-end, et du coup ça sera là. Let's go, allez hop, on se retrouve dans la maison des livres. Donc Élise avait été au village. Je résume, hein. Élise avait été au village après être tombée sur des chaussures rouges magnifiques, parfaitement adaptée à ses pieds, qu'elle avait trouvé dans son propre jardin. Et en fait, après, elle était allée au village et puis elle avait fait ce qu'elle devait faire. Et puis, durant la conversation, on va dire que comment elle s'appelle? Que Rosanne Marine était venue s'incruster au village pour voir si elle trouvait pas son petit chevreau, et du coup s'était fait connaître des villageois comme étant une cousine, une parente éloignée d'Élise. Et du coup voilà, donc on va voir ce que ça apporte. Vous êtes revenu, vous êtes là, Élise. Il est bien tard, n'est-ce pas? Ben, il s'avère que j'ai été particulièrement occupé jusqu'à ce que vous reveniez à la maison. C'est tout. Et Plush, lui-même, ici présent, s'est amusé à chasser un. À courir après le vent.
C'est plus bon que ça en a l'air. Comme ça aurait pu être pire, c'est certain. N'importe quoi suppose que c'est bon si tu as vraiment faim. Je suppose qu'aujourd'hui c'est bien passé avec toutes les choses qui se sont passées. Je devrais garder un œil sur elle avec tous ces paysans. Je peux vous poser une question? Ces chaussures que vous avez trouvées ce matin? Oui? Vous ne m'avez rien dit à propos d'elles. Il me semblait les avoir vues auparavant dans mes rêves, il y a longtemps. Dans tes rêves? Je sais pas par où commencer, Rosemary. Mais ce matin, à Kaffenberg, j'ai... J'ai vu une vieille personne, Rosemary. Elle m'a dit que son patron était un simple qui vivait dans les bois et qu'il pouvait garantir n'importe quel vœu si on lui apportait des cadeaux. Alors c'est vrai après tout? Tu as déjà entendu quelque chose par rapport à ça auparavant? Elle m'a dit que je devrais lui apporter trois cadeaux. La viande fraîche, le plus doux des nectars et une bonne compagnie. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Est-ce qu'elle a mentionné votre avenir? For goodness, pour. Tu me fais peur avec tous ces non-sens. Oui, il n'y a pas à avoir peur, Elise. Tu sais quelque chose à propos de ça? En fait, il s'avère que c'est une vieille légende que ma grand-mère me disait. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? Elle avait mentionné trouver un nain dans la forêt et que qu'il pouvait exaucer mon vœu si je lui apportais trois cadeaux. Ne me le dis pas. Vous ne devez pas parler de vos aux autres de votre vœu, mademoiselle. Rosemary, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je sais, c'est ce que ma grand-mère me dit, mais je peux vous parler de ça, Élise, et je peux même vous aider. Alors attends, je vais sauvegarder avant parce que je suis pas... Parce que là, on est encore dans la... Alors, qu'est-ce que sont ces testaments et ces cadeaux?
Dans l'optique de le rencontrer, vous devez vous devez pourvoir les testaments, je dirais bien, c'est pas les réceptacles, mais les les repré la, vous devez donner des choses représentant votre volonté. C'est tous ces objets et ingrédients que vous aurez pour utiliser qui pourront vous garantir de crafter les présents. L'idée de courtoisie commune d'apporter des présents quand on va chez quelqu'un, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ce que je veux savoir. Heureux, mon pana. Tu peux rester avec moi, mon pana. Je sais pas si tu vas live. Je sais pas si tu vas live. Mais jusqu'à ce que tu restes, est-ce que tu peux rester un peu avec moi? Parce que. Puis, tu sais, à parler un petit peu. Parce que. Là, on va arriver. Si tu es là, je stream un jeu, mon pana, pour te le dire. Je sais pas si tu étais là. Je pense pas t'avoir vu sur ce jeu. Je le stream une fois par semaine. Pourquoi est-ce que je stream une fois par semaine? C'est que ce jeu me fait peur. Il me fait franchement peur. Donc, si je peux avoir de la compagnie. Si je peux avoir de la compagnie, puis oui, je suis là pour une petite heure. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, je vais essayer de le faire une petite heure. De toute façon, moi, ce jeu, à chaque fois, je fais une petite heure. Alors, la viande fraîche représente ton corps. Le vaisseau de ton âme, si je puis dire. Comment on va sinon? Bah ça va, sauf que là je suis pas rassuré, on va dire. Ce qui est important, c'est la connexion entre vous et le symbole de votre corps. Rosemary. Alors. Ça représente votre vitalité, votre essence. C'est ce qui pourvoit à la part de votre corps mortel. Tu dois vous devez le rencontrer lorsque votre âme est en position la plus vulnérable. Grand-mère m'avait parlé que la good company, c'est quelqu'un ou quelque chose qui apporte sa propre lumière. Mais pourquoi? C'est l'amour, Elise. L'amour? L'amour révèle tout, vous savez? Je suppose. J'ai besoin de toi pour en discuter. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été mis en lien avec lui par
la personne que j'ai aimée. Bizarre la Golden Girl. Bizarre la Golden Girl. Ok, elle est où, Rosemine? Elle est où, Rosemine? Elle est là. Comment dire, je suis une grande croyante du destin, Elise. Destin, tu dis? Et j'ai de base rêvé de vous à propos, mais aussi j'ai rêvé de Kiefenberg, de votre maison, de vos chaussures. Depuis que je suis né, j'ai la connaissance de mon destin. J'ai connaissance que mon destin est d'être avec vous. Pourquoi pas? Ces rêves étaient des prémonitions, je suis certaine. Et après tout, ils ont stoppé la nuit où j'ai atteint Kiefenberg. Je viens d'aller faire le marché de Noël de ma ville, j'ai bien marché. Bah, c'est cool. Du coup, c'était toute la soirée là? Ou c'était juste la journée et que tu viens juste de. Non, tu viens rentrer, mais je pense que tu dois avoir des trucs aussi en soirée. Du coup, t'avais quoi? T'avais des attractions et trucs comme ça? À propos de votre communauté, de ses origines et de vos patronnes, Welpurga. C'est le saint patron. Alors, que tu dois avaler pour l'invoquer en pleine forêt la nuit avec de la lune, ça pue quand même. Moi je dis ça, c'est que ça pue quand même bien comme il faut. Attends. Voilà, je peux rien en faire là. Allez. Il est temps d'aller au deuxième cauchemar. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis pas prêt, mais je vais y aller quand même. Je vais aller au. En tout cas, la bande son est magnifique. Toujours autant magnifique la bande son. Pour le moment, j'ai rien dessus. Et nous voilà durant l'heure de la sorcière. C'est pour ça que j'aime pas ça.
C'est pour ça que j'aime pas ça, putain. Je peux pas dormir. C'est tout s'embrouille dans ma tête. Tout ce que cette vieille personne m'a dit à propos, mais aussi à propos des testaments, donc des preuves de volonté, des cadeaux de lui, ce que Rosemary m'a dit aussi. Je trouve ça vraiment difficile d'y croire, mais peut-être que c'est vrai. Peut-être que si j'ai ces preuves de volonté, alors peut-être que je trouverai une voie pour aller jusqu'à lui. Peut-être que je pourrais finalement quitter cette ville de merde et vivre la vie que j'ai toujours voulu rêver. Vivre une nouvelle vie dans une contrée loin, loin, très très loin. Ça pourrait être ma meilleure chance de trouver le bonheur. Pourquoi j'ai pu trouver votre voie trouver votre voie dans les ténèbres, enfin à travers le bon. On est donc à la On est le lundi, c'est l'heure de la sorcière. Donc on est d'accord que c'est pas qu'il faut que j'aille, hein. Un peu trop cassé le machin, mon goût, mais vas-y. De faire mes chronos sur un FS, c'est quoi un FS? Bon, en tout cas, ça me détend que tu parles un petit peu, c'est cool, merci. Comme ça, j'aurais peut-être moins de probabilité à me faire dessus, quoi. En tout cas, ce jeu dans la proposition, enfin, dans les choses qu'il propose, vachement bien quand même ce jeu. Trouver ton chemin dans les bois. Voyons voir si la vieille femme disait la vérité. Enfin, et pour ça, il faut que je me donne au moins un essai. Que je fasse un essai. C'est quoi cet endroit? Je dois être prudente, ça a l'air d'être plus que dangereux. Oui, à mon avis, oui, les trucs
veulent te bouffer, veulent te tuer. Alors là, par contre, là, je comprends pas. Quand je peux parler, je fais, ouais. Donc là, on a été bête d'essayer de. Mais bon, là, déjà, je veux voir un peu ce que je peux faire. Le secret dans les wounds. Je veux bien trouver le secret dans les wounds, mais. Non, là, par contre, là, je sais pas ce qui pourrait être bon. Alors maintenant, item brome. On va mourir. Par contre, je sais pas ce qu'il faut. Peut-être d'être un peu dur. Si vous avez des idées, je veux bien. Parce que moi, j'ai pas le. J'ai pas les bonnes refs. J'ai pas les bonnes idées. Je dois être brave. Donc là, c'est les papillons qui veulent notre mort, on est d'accord?
Ouais, c'est bon. Alors, item. Ça, c'est bien, ça, qu'on nous donne plein de choses, mais... Putain de merde! C'est bon, hein? Là, comment je fais là? Là, je sais pas. Alors, si je regarde là, les suspicions, c'est bon. Là, les bugs chaînes. C'est pas comme ça que je vois mon avenir. Hein. Oh putain. Item, je sais pas moi, item. Attends, fais voir. On va regarder s'il y a un autre truc de l'autre côté, je pense pas, mais... Ok, d'accord. Donc là, il me faut absolument quelque chose, mais... Pas comme si je pouvais utiliser là, ok. Peut-être que si j'essaye autre chose, oui, si tu veux, mais t'as pas énormément de choses, toi, hein. T'as pas énormément de choses, hein. Bah, c'est tout ce que j'avais hein, dans les items hein, dans les items clés. Parce que là ouais bah, je suis carrément bloqué là.
Attendez, je vais regarder parce que là, je suis pas, je sais pas du tout quoi faire. Vous avez une idée, vous, ou pas du tout? Parce que là, ouais, moi, je sais pas quoi faire. Alors là, c'est. Là, moi je suis vraiment bloqué. Les clés ça marche pas. Puis j'ai pas envie d'utiliser ça. Je pense pas que ce soit fait pour ça, les bandages et le ointement là. Je pense pas que ça soit fait pour ça. Vous pas mon chien? Je sais pas du tout quoi faire. Si vous avez une idée, je suis preneur. Si vous avez une idée, je suis preneur. Parce que là, la seule chose que je peux interagir, c'est les trucs, hein. Mais là, les trucs, ils veulent ma mort, quoi, si tu veux. Tu as déjà fait des Need for Speed? Ah non, j'ai pas fait de Need for Speed pour le moment. Oh! La seule chose que je pouvais interdire, c'était mes ennemis mortels et ça a marché. As-tu rencontré la sorcière? C'est vrai, elle serait vraiment. Alors, Hunger, je crois que c'est affamé. Elle serait vraiment très très contente de te rencontrer à nouveau. Ne le crois-tu pas? La sorcière, tu dis? Ta voix et la sienne ne se croiseront pas avant longtemps, mais. J'ai mes doutes sur ce que tu pourras. Attends. Forcément, fallait que ça m'arrive. Il n'y a rien ici.
Mushroom, ouais, c'est quoi ce mushroom? Je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose, hein, mais ok. Alors attends. Pour le moment, on ne veut pas trop de mal, ça va. Pour le moment, je peux me déplacer sans trop avoir peur de mourir. J'ai franchement peur de ce qu'elle va de ce que c'est. Mon chat. Mon chat, t'es avec moi, hein? J'aime pas ça. Quand tu sais que t'es dans un truc. Quand tu sais que t'es dans un truc que t'as. Qu'il faudrait pas que tu sois et que tu y es quand même. C'est la vie en progrès, yes. Ok. Bon, on va essayer des trucs. Match x 5. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Le chat, comment il se fout sur moi en mode vas-y, fais-moi un câlin. Mais le chat, calme-toi. Ah non, non, est-ce que les bonnes sont. Non, pas du tout, les trucs Ubisoft. Comme je t'ai dit la dernière fois, Ubisoft c'est pas pour moi. Parce que les trucs Ubisoft là. Non. Plus que les bonnes, apparemment il a énormément de soucis. Enfin, il a fait beaucoup trop de soucis pour quoi. Simplement, un truc ne sera pas suffisant, oui. On va tenter autre chose. Ok, d'accord, attends. Venez là, les machins.
Non, je vais pas faire Skull and Bones. Moi, tu vois, j'ai tous mes jeux. J'ai même pris Neptunia alors que j'avais pas besoin de me le prendre. Parce que du coup, en vrai, là, j'ai tous mes jeux. Je vois 5. Alors attends, ça je vais le sauvegarder. On va sauvegarder là. En espérant que ce soit ce qu'il faut. Match fois 5. Il me faut un truc pour faire office de... Alors là, par contre, là, où est-ce que je peux les envoyer, ces machins-là? Où est-ce que je peux envoyer les trucs avec les carcasses, là? Je me suis fait bouffer par les papillons. Que c'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc. De quoi c'était quoi cette armée? C'est des papillons. Sauf que les papillons ils me bouffent. Du coup, bah là, je suis bien emmerdé. Je suis bien emmerdé parce qu'ils me bouffent et je suis bloqué des deux côtés. Tu vois? Donc c'est pour ça, faut que je trouve le moyen de... Faut que je trouve le moyen de... Faut que je trouve le moyen de faire bouger les papillons, parce que ça, ces papillons, ils vont me... Ils vont me bouffer pas mal, je pense. Donc voilà. Donc je pense que celle de gauche, c'est un peu mort. On va voir si. Si jamais je passe à côté sans me faire voir. Ok, là c'est carrément plus. Là je peux pas. Ok, là je peux vraiment pas. C'est un truc que j'avais pas vu. C'est possible aussi, hein. Un truc que j'avais pas vu. Ouais, mais non, bah non, c'est pas le même. C'est pas du tout le même truc là. On est d'accord, ça me sera pas utile là. Load. Là, par contre, pour savoir ce que tu dois faire, c'est cool. C'est cool dans le mauvais sens, parce que c'est pas censé être cool comme ça. New story available. Moi,
Du coup, comment qu'on fait là? Parce que là, les deux, là, ils veulent pas nous. Ils veulent bien nous bouffer parce qu'on est de la chair fraîche, mais là, comment qu'on fait? Ouais. Que j'ai pu passer un peu avant, mais le truc a pas voulu. Ça va, le chat? Là, par contre, là, je suis bloqué parce que là, j'ai deux papillons et j'en ai pas un seul qui me va bien. Du coup, là, qu'est-ce que je fais en vrai? Qu'est-ce que je fais en vrai? Parce que je sais que j'ai pu aller par la gauche, mais au prix de toute ma vie, quoi. Et donc ça, c'est franchement pas cool. Ce qu'il faudrait se dire, c'est que c'est par la droite, mais la droite. À faire comment? Faut s'amuser à ce qu'ils bouffent les cadavres. Tu te fous de ma gueule? Faudrait jouer avec eux. Faudrait jouer avec ces trucs-là pour qu'ils bouffent les cadavres. Mais s'il y en a qui bouffent déjà les cadavres, est-ce que ça va pas faire un. Faut que je fasse venir plus de bouffeurs de cadavres. T'inquiète, j'arrive. Là, ça va être chaud. Oh, 6 personnes, bonjour, bonjour. Par contre, là, on est d'accord que là. Match, ok. Et quoi, c'est toi, à Mexique? Bonjour. C'est toi qui m'as fait venir tout le monde. Bonjour, hein, bonjour, Cookie, comment vas-tu? Alors là, les gars, là, on est sur du. Venez, les gars. Venez, on est là.
J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Donc elle bouffait. Oh putain. Ah, je me suis fait bouffer, bordel! Je me suis fait bouffer. Alors, on est pas si nombreux, je crois, donc je sais pas. Là, là. Bah, merci en tout cas. Merci en tout cas. Je sais pas ce que c'est que ce jeu, mais c'est un jeu d'aventure horreur qui reprend un conte, enfin, la base des contes. Ouais, d'accord. Attends, on va peut-être plus se faire ça, peut-être. Appeler. C'est un jeu d'aventure horreur horrifique. Du coup, la petite fille que vous, enfin, que je contrôle, Elise, elle veut se barrer de son village de bouseux, comme elle dit. Sauf que ah bah merci, j'ai pas vu, j'ai vu le nombre de personnes, mais j'ai pas vu que t'avais raid. Merci Armixi, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur que tu me raides. Merci beaucoup. Donc oh putain, t'as vu la tête qu'il y a là? Je n'ai même pas la tête. Oh tiens, c'est ma tête. Il semblait que je t'avais pas faute depuis tout ce temps. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, on fait pas les mêmes choses. J'ai pas le même non plus, le même setup. Je suis pas aussi bon que toi, donc c'est normal, t'inquiète pas. Alors, ne sois pas peur, n'aie pas peur, Elise, viens plus près. Bon, déjà, il y a ma tête dans un panier, c'est déjà le bordel, si tu veux. Ok. Tu as fait tout ce chemin pour trouver. Tu as fait tout ça pour trouver ton chemin à travers ces bois. C'est bien, Elise. Maintenant, tu vas m'écouter très attentivement. Il va essayer. Alors, merci, mais il faut ça gratuit, donc. C'est quand même de pas tenir avec au moins ça. Bon, après, tu le sais, hein, c'est selon ce que je fais. Hein. Moi en ce moment je fais du. Alors ce jeu-là je le fais une heure une fois par semaine. Parce que ce jeu-là me fout beaucoup trop la trouille. Pour que je le fasse beaucoup plus. Sache-le. Pour le coup, il y a aussi le fait que. Il y a aussi le fait que bah, je fais. Alors en ce moment, je fais donc ce jeu. Je fais beaucoup de Honkai Stavel aussi. Et un petit peu aussi de Utawa Reru Mono. Que Nyaru adore. Donc voilà. Et puis, bah, ma foi, je m'amuse en faisant ces trois jeux pour le moment. Je me suis acheté Neptunia. Donc Neptunia qu'on va découvrir demain. Qu'on va découvrir demain, je pense. Et puis voilà. Donc là, le but. Ah bah ça fait. Je suis pas bien quand je joue à ce jeu parce que le truc c'est que c'est vachement. Enfin c'est très beau. C'est très beau. C'est très choupi. C'est énormément glauque, je veux dire. Là, ce que tu vois, c'est juste la tête de l'héroïne, quoi. Mais sauf que c'est la tête de l'héroïne, elle le regarde, tu vois le machin. Prends ces chaussures maintenant et trouve les cadeaux avec ça. Trouve ta voie jusqu'à lui au plus profond de cette tombe qui est la mienne. Ah oui, non, et puis ouais.
C'est seulement comme ça que ton vœu sera réalisé, ma chère et tendre. Qu'est-ce que tu es? Je vais te guider jusqu'à lui, Élise. Tu ferais bien de croire en mes paroles. Ton précieux vœu est en sécurité avec moi. Et comment je suis censé faire pour le trouver? Toi, Élise, tu es ma chance, mon triomphe, mon âme, ma chère progénie. Ce qu'il a fait de moi ne compte pas. C'est ce que je veux. Basket. Bizarre. C'est très très bizarre. Ah. Alors comme ça, je l'ai amené lui et son animal de compagnie dans mes bois une fois de plus. Je lui avais dit de te tenter. De jouer avec toi. Qu'est-ce que tu es? Alors ainsi, nous serons réunis. Oh, comme j'aimerais pouvoir porter la vie dans mon... Comme j'aimerais porter la vie dans mon utérus une fois de plus. Je vais me barrer d'ici. Donc je peux reprendre ce qui est à moi. Non. Je suis pas là, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Putain, et pourquoi est-ce que je me fais allumer comme ça là? Oh putain! Non, non, je veux pas. Je veux pas mourir, putain! Je sais même pas où je vais, putain! Je sais même pas où je vais! J'ai plus rien pour mes trucs. J'ai besoin de vite aller à la maison et de raconter ça à Rosemary. Unlocked gift money. Désolé, le fait que je fasse ça. Page, fais voir. Fais voir un peu ce qu'il y a là. Ah, d'accord. C'est une Thunder Flèche, The Swastik Nectar et The Good Company. Ça pue du cul, ça pue du cul, ça pue du cul. Me faire marquer dans une game de la ligue de la ligue des légendes. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'aime pas de la façon dont il me regarde. Qu'est-ce que tu fais là?
J'étais sur la route de la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Flock? Let's go, Romain. Je ne veux pas rester ici une minute de plus. C'est déjà le matin. Et c'est comme ça qu'on va s'en, je pense, s'en réjouir. J'ai passé le deuxième cauchemar. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Il t'aime. Ouais, bonjour Amixis, bonjour League of Legends. Moi, je me pose la question s'il serait pas de bon ton de réessayer le dernier passage. On va essayer le dernier passage beaucoup de fois. Et puis voilà. Histoire de pas trop mourir en boucle. Alors, attends. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Non. Voilà, skip. Ouais. C'est comme ça. Donc là, elle nous dit de prendre le panier. Pour moi, on est face à notre grand-mère décédée. On se casse. C'est quand même largement mieux quand on peut voir quelque chose. Ouf. C'est bon. Je me suis fait attaquer que deux fois. Je vais pas refaire un tour. Je vais pas refaire un coup. Mon truc, c'était de ne pas me soigner. Il y a moyen que je me soigne pas avec tout ça, donc c'est bon. Le floc là, il veut nous bouffer là. Saloperie de truc là. Le floc, il veut nous bouffer, c'est un truc qui me. Donc on a survécu à la deuxième nuit de cauchemar, on va dire.
Trouver Rosemary. Ouais, tu vois, de base, c'est une jeune fille. Je savais bien que le tableau allait changer. Pour moi, notre grand-mère, c'est la sorcière du. C'est la sorcière du village qui nous a jamais dit que c'était une sorcière et qui nous a élevés justement pour qu'on sacrifie au final. Pour qu'on sert de bouffe. Bonjour à toi aussi, Flock. Je laisse toujours la porte de son truc un peu ouverte. C'est pour ça. Tu semblais être un peu effrayé la nuit dernière. C'est rien, j'ai fait d'étranges rêves, c'est tout. Je sais que t'es allé dans les bois, Elise. Party Talk. Tu veux essayer de les essayer? Oui, pourquoi pas? Ils sont vraiment confortables. Donc là, on va juste sauvegarder. Alors, je suis un peu content parce que je crois qu'on a sauvé pas mal de. On a sauvé pas mal de. Je crois qu'on a sauvé pas mal de collectibles. En vrai. Ouais, tu vois, on a sauvé tout ça, full item. On a sauvé les bandages, ça c'est bien. D'ailleurs, on peut même prendre celui-là, mais. Après, j'aurai plus de pretzel. Ça qui est. Attends. Je peux quand même manger une pretzel quand même. Voilà. Quand même manger les pretzels comme ça au moins je suis quand même pas mal pour la il n'y a pas possibilité d'avoir de la bouffe ouais. Bon, bah écoute, on va simplement aller à la sauvegarde. Et puis après, on ira à Kleffenberg la prochaine fois. Je suis quand même bien content parce que, bon, on sait que, de base, je sais que, je pense que la grand-mère est la witch. Et qui nous donne à manger un démon. Enfin, qui veut nous faire bouffer un démon, je pense. Bon, en tout cas, merci à Armixy pour son raid. Et puis moi, je vais raider quelqu'un. Voilà, j'ai fait le petit raid Goody Two Shoes de la
de la semaine. Peut-être que je referai un petit demain. Parce que là, en vrai, demain, ça va être que la partie de journée. La partie de journée, celle que je préfère. Même si, du coup, la plus. Celle qui fait avancer le scénar, c'est le. C'est d'autant la nuit, mais. Mais voilà quoi, c'est pas si mal. Bon, enfin, je préfère ne serait-ce que la journée parce que c'est beaucoup plus tranquille. Tu te fais pas bouffer par des papillons quoi. Les papillons ne dévorent pas des cadavres quoi, on est d'accord? Bon, voilà quoi. Sinon, on est d'accord? On est d'accord, il est temps de faire un petit raid chez quelqu'un. Merci le chat. Alors, est-ce que l'un de vous est en train de raider? Je sais pas si j'ai le moyen de faire raido avec un groupe de spectateurs. Bah, en tout cas, merci encore à Ramixi, hein. Merci à Pada qui est resté jusqu'au bout. Merci Pada. Vous a suivi il y a 20 minutes. Bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Puis, moi, tu vois, ça m'a permis de pas me faire, enfin, de ne pas me pisser dessus, donc c'est cool. Je suis pas. Je suis franchement pas ce qui en a ça. Bah que je reste chez toi, bien sûr que oui. Regarde, je suis resté chez toi aujourd'hui, puis je resterai chez toi les fois où je te vois et les fois où je suis d'ores et déjà pas chez quelqu'un d'autre. Avec grand plaisir. En vrai, là, il y a personne qui a besoin, mais rien que pour le beau geste, parce que voilà, c'est du beau geste. Je vais faire le raid chez Aerostar, et puis bah bien sûr, je repasserai te voir, pendant. C'est pas. Enfin, j'ai pas attendu que tu restes ici pour passer chez toi, quoi. Donc, Ah, tu fais. T'es là ce soir? T'es là sur quoi déjà, du coup? Bah, est-ce que tu vas live là? Parce qu'en vrai, là, je te fais un petit raid. J'aurais fait ça, je pense. C'est là où plus vers 19h. Parce que du coup, si c'est FF16, bah, je resterai 20h30. Ouais, ok. Ça sera pas tout de suite. Ok, bah, je vais faire un raid chez quelqu'un d'autre. Je vais le faire chez Aeroster. Et puis, bah, du coup, ouais, je pense que je passerai ma soirée un peu avec toi. Pada. Parce que c'est très bien de voir du soul, c'est du soul, c'est du soul, mais il y a un moment, j'en ai. Ça me gave. Il y a un moment, ça me gave. C'est bien du Dark Souls, mais bon, c'est pas. Si j'en fais pas. Le seul soul que j'ai fait, je l'ai fait, et puis j'étais très très content de le faire, mais les FromSoft, jamais tu me verras en faire. Le truc un peu éclaté comme ça, le scénario qui est beaucoup trop éclaté pour être compréhensible, là, c'est mort. Bon, allez, je fais le petit raid chez Roster. Et puis après, je te dis à ce soir vers 20h30, 20h45. Voilà, et puis bah, merci à tous, merci à Mixi, merci à ton raid, merci à Kukinari, j'ai vu que Kukinari était là. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye, à demain.